solo monte ma ku mama papa e o hey awe mama papa e omuninga monte ma ku mama papa e o hey awe mama papa e Alice, mon amour, si à bon moi, la miso, papa, maman, tango, iso, hey, awe, ou maman, papa, et kita, yo, sala, ou maman, à bon moi, et à bassin, tu es, hey, awe, ou maman, papa, et déjà ça s'annonce, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et auditeurs, bien sûr, vous qui êtes à la radio ainsi qu'à la télévision, c'est avec un plaisir de vous retrouver dans cette partie. Je dirais bien que c'est une partie, en tout cas, qui va aujourd'hui nous bénir dans cette émission Grand Art, l'art dans toute sa grandeur et ses diversités. Aujourd'hui également, on parle de l'art, l'art comme Tanganyika ou l'art dans sa grandeur, également Grand Tanganyika, comme on peut toujours le dire. L'émission, c'est Grand Art. Une fois de plus, bienvenue dans cette partie aujourd'hui avec un invité spécial, avec lui que nous allons aujourd'hui partager un très bon moment aussi d'adoration, allais-je dire. J'ai dit bien, parce qu'il ne faut pas seulement essayer de découvrir sur le plan professionnel, mais c'est vrai que nous allons tous essayer de nous incarner un peu dans ce qu'il va partager avec nous et également avec vous. Nous serons ensemble dans cette partie. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par le frère Nicolas. C'est vrai que j'ai commencé d'ailleurs par lui dans cette première partie de l'émission en tant que clavieriste, donc il est aussi au clavier. Je vous présente ici le frère Israël Kisasa, l'adorateur. Bonjour papa. Bonjour homme des dieux. Bonjour également une fois de plus l'artiste. Bonjour chantre des dieux et tout. Voilà, je dirais comme ça. Bienvenue dans cette émission et comment allez-vous? Nous allons bien. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent de partout, que ce soit à la radio, à la télé. Que Dieu les bénisse. Nous allons bien. La grâce de Dieu, c'est lui qui nous fortifie. En tout cas, Grand Art aujourd'hui a décidé de produire cette version dans son studio. Nous sommes à la RTGT aujourd'hui. Ils ont accepté de venir nous visiter. Et enfin, nous avions dit, on profite de l'occasion. C'est vrai qu'il y a ce qui nous pousse, bien sûr, de le recevoir, accompagné de frère Nicolas. Ça veut dire que nous allons aussi adorer. Une fois de plus, bienvenue vous qui êtes présentement branchés de partout. Et c'est vrai que je vous annonce pour le 17, nous allons bien sûr adorer ensemble avec toujours le frère Israël Kisasa et le groupe Étoile. Du ciel. Étoile du ciel. Alors, on va d'abord commencer par les commencements. La santé, ça va, comme on l'a dit. La santé va bien. Nous sommes tellement bien en forme d'ailleurs. Ouais. Avec cette année de bénédiction où le Seigneur ne cesse de nous surprendre. Ouais.
Tout va bien. Alors, on va essayer de mélanger un peu en parlant aussi avec un peu de Swahili. C'est vrai qu'on mélange, en fait, on ne maîtrise pas trop le vrai Swahili, non plus le français, mais on va essayer juste de vous faire comprendre. Hein, là où ça nous échappe en français, on essaie de glisser un petit mot Swahili. Ça où ça nous échappe aussi en Swahili, on parle toujours français. C'est comme ça que ça va aller. Si c'est la première fois de nous suivre, l'émission C'est Grand Art, nous sommes chaque mercredi à partir de 17h et vous allez également nous suivre chaque lundi, comme vous le savez très bien, et vendredi à partir des 22h. Je sais que vous suivez la télé et ça va vraiment nous aider à bien partager tout ce qu'il faut. Nous vous invitons parce que vous êtes également très nombreux ici chez nous à Calémie. Il n'y a pas que le frère Israël qui s'assaille les autres. Vous aussi, vous avez le pouvoir d'être très suivi dans cette émission, dans les domaines de gospel, dans les domaines, voilà, nous sommes dans l'art, l'art dans toute sa grandeur et ses diversités. C'est vrai qu'on avait fini avec l'année 2021. Je vous avais reçu sur ce plateau. On a essayé de discuter un tout petit peu, mais j'aurais aimé que l'on reste un peu sur l'année 2022. Déjà, comme nous sommes encore dans les débuts de l'année du mois, déjà le mois d'avril ici, c'est le mois pascal. Et c'est un bon mois pour moi, peut-être pour nous les chrétiens. J'ai dit pour nous les chrétiens. Ouais, peut-être les autres disent, toi si tu es chrétien. Alors, selon vous, vous êtes un artiste et aussi visionnaire du groupe Étoiles du Ciel. Mmh. On parle d'abord de vous et de l'Étoile du Ciel en général pour l'année 2022. Comment ça a été pour vous? Déjà l'année, bon, si on avait des objectifs, oui, depuis l'année passée, d'autres ont été réalisés par les concours quand même de quelques personnes, dédiées bien sûr, mais qui a utilisé les gens qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre. Et on a célébré la journée soirée Rumba, okay, avec un grand succès. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Et déjà pour les 2022, beaucoup de prospections, beaucoup des objectifs à atteindre. Il y a vraiment beaucoup de choses et déjà là, nous sommes en train de toucher quelques peu parmi tant d'autres objectifs, afin que tout fiquer quand même nous atteindre. Mais notre vraiment grand objectif, c'est d'amener les gens vers le Seigneur. Oui. Amener et transformer les chrétiens en adorateurs. On peut rester chrétien, mais on n'est pas adorateur, parce que l'adoration, c'est autre chose. Le christianisme, c'est autre chose. Mais vraiment, des vrais chrétiens sont des adorateurs. Alors, c'est vraiment l'idée. Et aussi, nous avons plus l'envie et cette soif d'aller toucher maintenant les autres qui n'ont pas encore cru en Christ, afin qu'ils puissent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça vraiment les grands objectifs que nous avons pour cette année. D'accord. Et restons maintenant sur vous, frère Israël, qui s'assent en tant qu'artiste. Je ne me rappelle plus de la dernière fois que j'avais suivi ta dernière vidéo. Ou ton dernier audio? Mon dernier audio, en termes de clip? Oui. En termes d'enregistrement. On est maintenant sur le plan artistique. Sur le plan artistique, c'est vrai, nous faisons des choses selon nous, mais il arrive des temps aussi, la divinité nous impose. Et vous allez vous rendre compte que vous avez un programme, mais il y a vraiment un autre programme que le Seigneur lui-même vous donne. Vous êtes obligé d'abandonner ce que vous faisiez pour quand même entrer dans ce que la volonté du Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir que les choses traînent encore jusque là. Et aussi, notre emploi de temps, quand même, plus aussi le Seigneur nous donne nos responsabilités, plus aussi nous manquons quand même des moments. Mais néanmoins, pour cette année qui a été vraiment chargée depuis le début, j'étais dans beaucoup de préparations. Déjà là, pour nous, Étoile du Ciel et moi personnellement, l'année commence maintenant pour le mois de mars. Donc, depuis le mois de mars, nous avons débuté notre mois parce que janvier, février, il y avait beaucoup de choses et nous avons vraiment mis toute notre énergie depuis le mois de mars pour qu'on puisse maintenant commencer à voir comment atteindre nos objectifs prédéfinis déjà au début de l'année. D'accord, c'est bientôt très bonne vous chose. Aurez à écouter des chansons. Il y a beaucoup de compositions qui se chantent déjà, mais qui ne sont pas encore sur un disque. Mais par la grâce du Seigneur, très bientôt, vous l'aurez. D'accord. Et nous allons quand même rester sur l'actualité musicale, sur le plan gospel au niveau de la province du Tanganyika. Et moi, mon constat est qu'il y a chaque week-end, chaque dimanche,
chaque semaine, chaque mois. Il y a toujours des manifestations sur ce plan-là. On parle des célébrations de part et d'autre. On parle de concerts, bien sûr, et également des rencontres, toujours sur le plan des artistes. Ouais. Et j'ai constaté que je trouve les mêmes personnes dans l'organisation, dans presque toutes les organisations. Donc, l'objectif est que cette chose qui est organisée soit en tout cas une réussite totale. Je vois le concours en tout cas de tout le monde sur tous les plans. Chacun essaie d'y apporter en plus son expertise, allais-je dire, un peu ce qu'il a à partager avec tout le monde sur tous ces plans-là, je trouve là. Mm-hmm. Vous, en tant qu'un mentor, parce que je dis, parce que vous inspirez beaucoup d'artistes, je l'ai dit, vous encadrez également certains des jeunes qui commencent dans mm-hmm. cette carrière. Vous êtes également un clavériste de talent. Je vous vois aussi tout ce qui est comme... Bon, j'ai été surpris de vous voir en tant que technicien d'installation et tout ça. Bon, c'est vrai, vous êtes là. Quelle est votre analyse par rapport à l'évolution de la musique gospel au niveau de Calémi? Pour cela, nous bénissons les seigneurs, en tout cas, parce que déjà, il y a une amélioration, même du côté organisation. Les peuples de Dieu qui viennent de partout pour célébrer ensemble avec les frères X ou Y, okay. et se rendre compte que quand même les choses s'améliorent du jour au jour à Calémi. Okay. Et cela, nous bénissons les seigneurs. Et nous continuons vraiment à apporter des conseils, parce que beaucoup de récits sont les fruits quand même des conseils. Oui. On ne récit jamais sans demander ou se renseigner de quelque chose. Oui. La plupart de nos frères actuellement, quand il y a une préparation, ils viennent, si pas chez moi, c'est une autre personne qui a quand même réussi. Oui. Comment vous avez fait une orientation oui. vraiment de bonne qualité. Et lorsque le respect de toutes ces conditions oui. est pris au sérieux, oui. vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des réussites. Oui. Et une chose meilleure est que Calémi, nous artistes, nous commençons maintenant à adorer, à amener même le peuple de Dieu à se sentir vraiment tellement dans les bains lorsqu'ils arrivent dans la présence de Dieu. Mmh. Et non, qui est, il va se mettre à tout le monde. Quand même, quand les gens, les peuples de Dieu arrivent, mmh. commencent à se rendre compte que le temps n'était pas perdu, il y a eu la présence de Dieu. Et c'est vraiment ça. Nous bénissons le Seigneur pour ça et nous encourageons vraiment cette jeunesse d'aller encore plus loin. Voilà. Vous êtes parmi les piliers des jeunes artistes évolués dans la province du Tanganyika sur le plan gospel mm-hmm. et vous êtes souvent trop consulté. Est-ce que vous avez au moins une plateforme ou un groupe qui réunit au moins une fois le mois tous les artistes bien connu ici chez vous à Calémi, question un peu de vous entraider d'une manière ou d'une autre pour faire évoluer les vrais des dieux ici chez nous au Tanganyika. Et ce qui est vrai, réunir tous les artistes, c'est ça. Presque pas, quelques-uns, c'est pas facile. Personnes connues. Ouais. C'est pas facile parce qu'aussi dans la société, chaque personne a sa mentalité, sa façon de voir les choses. Réunir les gens, bon, il y avait des projets qui ne nécessitaient pas vraiment nécessairement que nous soyons impliqués. Mmh. Bon, impliqués dans le sens des commandements. Mmh. Il fallait qu'il y ait des papas, mamans, des gens qui ne sont pas artistes, mais qui ont une vision de soutenir l'art dans le côté du gospel, dans la ville, dans notre ville, de s'impliquer. Ouais. Mais lorsqu'ils se sont impliqués, à un certain niveau, ils ont relâché. Il y avait déjà quelque chose de AMC. APMCK. APMCK. Voilà. C'était déjà en construction dans l'Union des artistes du Tanganyika Gospel, qui était déjà en cours pour quand même pallier à tous ces indicateurs qui pourraient faire à ce que la bonne marche de la musique gospel soit vraiment réaliste. Mais néanmoins, ça n'a pas tenu. À notre niveau, il y a quand même des collaborations, mais dans une plateforme pour Mandit, la chose n'est pas encore faite. Mais c'est aussi dans la vision où nous sommes en train de penser qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même essayer de commencer à coordonner les choses autrement qu'auparavant. D'accord. Oui. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes dans cette partie de l'émission Grand Art où nous recevons le frère Israël Kissasa, le visionnaire du groupe Étoile du Ciel, aussi en tant qu'artiste évoluant ici chez nous dans la province de Tanganyika avec plusieurs titres, mais aussi avec souvent plusieurs collaborations. Il a toujours été invité dans plusieurs manifestations à travers ce qui est lui a comme passion, mais aussi ce qu'il maîtrise sur le plan bien sûr professionnel.
professionnel. C'est vrai, on va y revenir sur beaucoup de projets. J'ai vu l'affiche déjà en train de circuler, qui a annoncé déjà le mois d'avril, qui est le mois Pascal. L'affiche, c'est pour ce 17 avril 2022. Ça sera dans l'église 5e Selpa Sayuni. Vous parlez des Praise and Worship Moments. Donc, vous avec la chorale ou le groupe Étoile du Ciel. Parle-nous un peu de cette vision et l'objectif de ces Praise and Worship Moments. Ça, c'est vraiment une grande vision, voulais-je dire. J'ai partagé avec mes collaborateurs. Beaucoup s'étaient étonnés de dire « Oh, mais il nous reste peu de temps pour les préparatifs. » C'était pas vraiment dans mes programmes, ça. Worship and Praise and Worship Moment. Oui. Parce que même les noms, même, je ne savais pas que ça serait intitulé comme ça. Oui. Mais juste que j'avais senti en moi tellement d'envie de partager la bonne nouvelle, surtout avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Oui. Alors, la meilleure façon que le Seigneur nous a inspiré, c'était de partager, de célébrer le Seigneur en plein air. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que ça ne sera pas vraiment dans l'église Selpa, mais ça sera à l'extérieur de l'église Selpa. Okay. La vision est que nous puissions aller partout, donc, dans des espaces là où il y a beaucoup, il y a une agglomération de personnes, que nous puissions partager la bonne nouvelle. Et voilà, c'est ça la vision. Et nous avons, le Seigneur nous a quand même parlé, vu aussi ça engage beaucoup de choses, beaucoup de dépenses, on a quand même jugé de faire notre première sortie au niveau des 5e Selpa Dave, Sayoni. Pour la sortie officielle. Mais néanmoins, nous allons parcourir par la grâce du Seigneur tout Kalemi. D'accord. Si même toute la province, c'est possible avec le Seigneur, parce que lorsque le Seigneur donne la vision, il donne nécessairement la provision. Je serais très content de vous voir à Kongolo. Ah oui, bien sûr. J'allais également parler, par exemple, sur les endroits un peu chaud, public, ici chez nous à Kalemi, qui se voit par exemple, quatre coins chez nous par exemple, et aussi au niveau des monuments là-bas, se produire un dimanche comme ça, soir, on essaie de faire ces moments ici, en tout cas ça va aller, je pense, très bien. C'est vrai, on va entrer beaucoup plus en détail, mais on ne peut pas être ici avec le frère Nicolas seulement pour un peu l'oublier, mais lui ne parle pas au micro, mais il parle à travers le clavier, et vous allez l'accompagner avec un morceau de votre choix, ça nous fera du bien. Nous allons essayer de partager comme je l'ai annoncé. Ça ne sera pas seulement discuter, mais aussi vous avez choisi ces moments pour également adorer avec vous ensemble. Nazalaki Nakatia Masumu Asenga Kepaina Yesu Animaki Kosenga Alongo lingai na masumu Na lingi pera kumisa Yesu Na nyoso asali lingai Yesu ala kisibo lingo na ekai Na angai Na zalaki na kati ya masumu Na senga ke paina Yesu Animaki kosenga nanga Pea longo lingai na masumu Alingi pena kumisa Yesu Na nyoso asale lingai Yesu la kisibo lingo na epai Nanga Nayo, 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 sumo
ngai na lapinda ina bomo ina ngai na kosale la seweso lango na senge tenguya na yo ebatela kanga itango nyonso elingi pe na koma pepeto na miso na yo yawe mangai na lola na lola mwenye lapinda ina bomo ina ngayo na kosalela seyo masia pena senge tingu na yo ebatela kangai tango nyonso ngai na lingi pena koma peto miso na yo yawe kino ekokumbanga kokomanga na lola Antonio kolo angai kona bolingo na yo masia Mesdames et messieurs, je pense très bien que partout où vous êtes, pour le moment, vous vous sentez également dans l'adoration avec le frère Israël qui s'est accompagné de papa Nicolas, le frère également aussi au niveau de clavieriste. Natondio. En tout cas, je suis rassasié de toi, en quelque sorte. C'est une chanson de quelqu'un qui vient dans les péchés. Ok. Tellement que le péché l'a tellement possédé, mais du coup, un jour, le Seigneur le sauve de ses péchés. Comme souvent, d'ailleurs, nous lisons dans la Bible, le Seigneur dit va, tes péchés sont pardonnés, va délivrer. Donc, c'est une chanson de qui est reconnaissant de ce que le Seigneur a fait pour lui. Il dit Naton Dieu, je te remercie, je te rends grâce pour ce que tu as fait. Je suis tellement curieux. Je pense pas si j'étais déjà suivi toi annoncer une célébration. Mais récemment on a célébré soirée rumba. Maintenant là on parle de presse and worship moments. Et pourtant après avant toi j'ai sens il y a toujours des célébrations qui s'annoncent et en coulisses et en audio et en visuel plusieurs célébrations. À chaque fois qu'il y a une chanson qui fait un peu de buzz, on annonce une célébration via cette chanson. Mais pourquoi pas tu toi, tu n'as pas aussi voulu me parler d'une célébration. Notre façon de faire les choses est peut-être d'informer les quelques personnes, sachant quand même que la nouvelle de l'Éternel n'est pas quelque chose qui pourrait être caché. Il y a toujours des gens qui partagent. Mais l'essence de faire trop de bruit comme si, hein, vous voyez, la campagne mondaine, ça, c'est pas vraiment notre culture. Mais voilà, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui, oui. Presque partout. Donc, on commence bien sûr à faire tout ce que les musiciens typiques ou profanes le font. S'il faut des concerts, on fait presque les mêmes choses. S'il faut faire la campagne, comme tu venais de le dire, on fait la même chose. Et plus même, vous voyez, aujourd'hui, on utilise tous les réseaux sociaux. On fait presque tout au même moment. Donc voilà, on partage. Vous voyez, ça c'est fait. Il y a un autre objectif en dehors seulement d'évangéliser ou de proclamer la gloire de Dieu. Ça ne sera pas vraiment... Bon, je ne sais pas. Parce que chaque personne, derrière chaque action, il y a un objectif. Et de nous, de notre côté, nous ne sommes pas vraiment chauds. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les faire, mais sauf que ça... Il y a de ces termes-là, on peut dire, venez, vous ne serez pas déçus. Moto ni moto. Voilà. Et c'est vrai. Tout ça, c'est pas vraiment... Parce que lorsqu'on veut montrer Jésus,
rassurons-nous qu'on montre seulement Jésus. On peut également prier pour que les gens nous aident, offrent quelque chose, de l'argent et tout, pour qu'on commence à se produire gratuitement dans les concerts. Mais quand on commence à demander aux gens de vous insister, vous ne trouvez pas que les gens le font juste pour le faire, pour le plaisir des autres, mais non pour le plaisir de Dieu? Je ne sais pas ton analyse par ça, je voulais partager un peu cette expérience. Mon analyse depuis, d'abord je voulais commettre cette erreur une fois dans ma vie. J'avais balancé une affiche où j'ai mis participation 5000 francs. Un papa m'a rappelé des suites pour dire pourquoi tu veux t'échanger à une autre personne. Je dis bah, pourquoi? Parce que tu as mis l'argent. Depuis que je t'ai connu, tu n'as jamais demandé l'argent. Je lui ai juste répondu que, papa, comme tu parles là, ce n'est pas toi. Donc c'est Dieu. C'est le Seigneur qui te parle. Automatiquement, j'ai informé celui qui est designer, Jean Héros. J'ai dit, mon frère, change l'affiche. Entrée gratuite. Juste après cet acte, il y a un autre papa qui m'appelle directement pour me dire, j'ai vu ton affiche et je vais prendre la salle à location. Enfin. Ouais. Et depuis lors, je me suis dit que je ne ferai plus cette erreur. Sango malamu e komeli biso tongo tongo masia sebi ka etikali po molele masia yesa se. La version me plaît vraiment. J'aime cette chanson, mais je me suis juste retrouvé juste après. Donc, au début, là, je ne savais pas c'est quel titre. Ah, ouais. C'est pour annoncer quand je souhaitais aussi. Je laisse faire des Pâques à tous les chrétiens. C'est vraiment une semaine. Comme j'ai parlé hier à l'église, c'est pas une semaine où nous devons être tellement attristés parce que c'est comme les autres disent, Ndjia Moussalaba, Founali. Celui qui avait vu pleurer, ce sont les disciples et Jésus lui-même. Ouais. Mais nous, qui sommes venus après Christ, c'est une semaine de la joie où nous nous rendons compte de ce que le Seigneur a fait pour nous, de comment il nous a sauvés. Alors, à tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ne le sont pas aussi, je crois qu'au travers cette semaine, tout est possible. Joyeuse fête des Pâques. Joyeuse fête des Pâques. Alors, on va continuer avec ce
cette émission. On va maintenant entrer dans ce qui va se passer. Present worship moment. C'est pas l'occasion de la célébration ou c'est juste comme ça. Et ce jour-là, vous allez seulement adorer. Il n'y a que l'adoration, vous et la chorale. Il y a d'autres personnes qui seront ce jour-là invitées, notamment des groupes ou des chorales ici sur les places. En fait, praise and worship moment, c'est une vision, comme je l'avais prédit. Tellement grande vision, mais pour la première sortie, c'est nous-mêmes. Mais néanmoins, ça sera aussi une occasion, une opportunité pour les peuples de commencer à découvrir des talents. C'est-à-dire dans les prochaines célébrations, manifestations, nous, à notre niveau, on va entrer en collaboration. Peut-être avec 5 artistes. Pendant nous chantons, nous invitons tel fois, nous chantons avec lui. Nous chantons. C'est vraiment un moment de partage. Et sa particularité, c'est en plein air. Très prochainement, nous avons peut-être qui sait où est, nous avons Kichanga, ouais. Nous allons même Taba, c'est-à-dire nous, partout il y a des gens qui ont de la parole, nous sommes là pour partager ces moments avec les peuples. C'est pourquoi nous demandons aussi un soutien à tous celui qui se sent quand même dans les cœurs de soutenir cette œuvre. Vous pouvez nous écrire via notre adresse mail. Israël qui sasa 2 @gmail.com, c'est plus mien. Israël qui sasa 2 des chiffres des @gmail.com. Vous pouvez nous écrire les toits minuscules, donc, hein, sauf les toits minuscules, sauf les deux parce que c'est les chiffres. Donc nous écrire, vous voulez contribuer, c'est vraiment une grande vision qui nécessite aussi des meilleurs apports de nous-mêmes avec les personnes. C'est vrai qu'il y a des papas et mamans qui nous soutiennent, mais nous voulons encore vraiment interpeller ceux qui ont encore un autre cœur. Peut-être que c'est pour la première fois qu'ils nous voient à la télé. On peut aussi prendre l'engagement de soutenir cette vision. Lorsque nous allons nous reproduire en plein air, s'il y a quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un délivré, le Seigneur va voir toute personne qui a une main mise dans cette organisation afin qu'il soit aussi récompensé. C'est vraiment un peu ça. Les 17, nous sommes là. Ce n'était pas vraiment l'idée que ce soit une célébration Pâques. Oui, parce que quand nous on avait dit 17, on avait dit 17 ans, tenu compte qu'il y aura, la Pâque sera les 17. C'est après maintenant des vérifications qu'on s'est rendu compte que la Pâque est les 17. Même les pasteurs nous ont dit pourquoi on n'avait pas mis une célébration Pâques. Il dit nous on ne savait pas. Oui, donc c'était comme ça. Mais comme c'est un moment l'éternel, c'est mieux aussi, ça commence par la résurrection de Christ. Donc c'est une vision qui a déjà cette puissance et qui va impacter. Ça vraiment c'est parmi les assurances quand même que nous avons pour ces grands moments, cette vision des worship moments. D'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant à la fin de cette partie. Nous étions bien sûr en train de revenir sur un peu les quelques moments de l'année avec le frère Israël Kisasa. Et aussi, on a essayé de toucher le point, en tout cas sur le Praise and Worship Moment. Praise and Worship Moment, ce moment-là pour ce dimanche 17 avril à partir de 15h30, donc jusqu'à 18h, ça sera en plein air. L'église 5e Cell Passayuni, c'est au quartier d'Ave, référence Mourumbi. Donc, chapelle des vainqueurs, c'est non loin, en tout cas de Montberger, tout là-bas. Donc, c'est un endroit bien connu. Et on sera là en plein air. Donc, ce sont des références pour ce qui est des adresses. Quand on parle de Mourumbi, donc, si vous arrivez seulement là, on va vous montrer où se trouve 5e Cell Passayuni. Moi, personnellement, je serai là et vous aussi. On peut profiter de ce moment après nos cultes. C'est le soir, non? Donc, on va aller peut-être là-bas adorer ensemble avec le frère Israël Kisasa, ici le frère Nicolas et les autres. Je pense que ça sera un moment de bénédiction pour nous. Et je dis merci d'être de notre dans ce studio de la RTGT. Tu n'as pas été seul. Tu peux nous présenter l'équipe? Je suis venu avec Nicolas, le maestro. C'est vraiment une équipe forte que je travaille avec. Et mon porte-parole, Rigobert, ma passa, il est drummer de qualité, de formation. Mais pour l'instant, par la grâce du Seigneur, je l'ai un peu changé de ministère. C'est pourquoi vous le considérez plus. Il est au micro, comme de moi-même. D'ailleurs, j'ai quitté le piano pour chanter. Nous travaillons ce qui concerne le piano dans l'église, mais lorsque nous faisons des sorties, nous nous concentrons maintenant de ce qui est des tangas à Baringema. Tu sais pourquoi je n'ai pas voulu présenter le Gobert? Parce que moi, je ne le connais pas en tant que porte-parole. C'est maintenant là que je voulais que tu puisses te présenter officiellement. Je vais vous montrer son image, ne vous inquiétez pas. Lui, c'est
Oui. Tu sais, lui, à la batterie, il est tellement... C'est les cacoles. En tout cas, merci. Il a inspiré beaucoup les gens, même les drummers que nous travaillons actuellement, Londres. Robert l'a inspiré. Donc, je voulais vraiment une équipe. Moi, je l'appelle plus équipe. C'est en termes de peut-être des techniques, mais c'est une famille. Ouais. Mesdames et messieurs, voilà ce qui m'est fait dans cette émission. Merci. On va toujours continuer avec cette partie de la très bonne musique pour clôturer. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette émission Grand Art, recevant le frère Israël Kissasa, qui a été accompagné par le clavériste, le frère Nicolas, avec bien sûr son porte-parole qui n'a pas voulu être avec moi sur son plateau parce qu'il est mon attier, quoi, un peu qui doit faire. Mais j'espère très que vous allez rester avec nous tout au long de nos productions, de nos émissions, toujours. Ici, on a décidé d'être dans sur le plateau de la RTGT et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, toute l'équipe de la RTGT qui m'a accompagné, Fabien Tchakobuta. Mais aujourd'hui, ça a été une journée spéciale parce qu'on a été accompagné du côté de la caméra par votre présentateur de Semana RTGT, Johnny Londello. C'est pas la première fois aujourd'hui, vous le verrez plusieurs fois derrière cette caméra. Une fois de plus, restez pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve pour un nouveau numéro le 17. Mais les 17, n'oubliez pas, nous sommes les dimanches à 15h30 au niveau de l'église Sel Passayuni, 5e Sel Passayuni, dans l'un de Murumbi. Nous serons là pour bien sûr adorer Dieu, bien sûr pour ce mois pascal, pour ne pas dire célébration, mais ici on dit praise and worship moment. C'est l'anglais. Hein? Moment de louange et d'adoration. Voilà, on se termine avec un titre, je vous laisse. Ça, je reviendrai pour ça. My shani si sumu kitu fala ni mchungaji wangu sitapungukiwa na nini mateso magonjwa vikwazo ni vipimo vya imani mimi nasonga mbele kwa sababu Bwana ni mchungaji wangu ananilinda. Tampasi ata esengo otemananga batela kimya melana bozindo ya bonzambe pesa makasi na satana teo pote molongi azali se moko bomo inangai mobimba na kabana e na chela e motema na bomo inanga tango nyonso na la vie natalela seyo elikia ya motema poza nzambe oyokosa jamai seyo 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 yesu seyo molongi ya balongi seyo 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 yesu seyo.